Skyrim, voilà. Et ça fait bizarre de jouer à Skyrim mais en mode vanilla quoi. Ouais, sans le mode, j'ai pas encore mis dans le mode. Alors dégagez. Je dois changer. Je vais aller à Solikid, s'il vous plaît. Ouais. Dans cette vie, en tout cas, ouais. Voilà ce qui rime. Je update. Mais j'ai vu, Soch, sur le Nexus, tu as un truc pour réactiver les hauts faits même si tu modes. Ouais, j'ai vu ça. J'irai le chercher. Ouais. Attends, on est d'accord que ça met bien Special Edition, ouais. Ah, moi j'ai mis Roma Salat, j'aurais dû mettre Special Edition. Ils l'ont pas intégré dans les jeux Switch, KRM Special Edition. Non. Bah, c'est le même jeu, donc y a pas vraiment de raison. Ouais, enfin. Par contre, les gens, je compte sur vous pour me dire s'il y a un décalage de son qui se fait. Parce que je sais que j'avais eu ça hier matin. T'avais eu un décalage de son? Ouais, j'ai le son et l'image qui se décale en fait. Et je sais pas d'où ça peut provenir. Ah, il dit non, mais pas de mode. Ok, il veut pas jouer sans mode. Pourtant, il y a déjà des modes qui sont sortis. Dis-lui que ça fait plaisir de jouer à Skyrim, Vanilla, ça change. Bah tu découvres des trucs. Par exemple, je suis passé à un fort où il y avait des nécromans, j'ai buté les nécromans. Toi le chien, tu vas rester là, j'en ai marre de... que tu me suives. Donc j'ai buté les nécromans, puis quand je suis revenu par après, il y avait les sombrages qui avaient pris le fort. Mais tu vois, moi j'avais tout le temps, dès que je jouais, j'avais Civil War. Et Civil War, il fait ça, tu vois, t'as des guerres où les factions prennent le fort, ils se battent entre eux. Mais je savais pas que de base, les mecs pouvaient prendre le fort. Bah dis-toi que enfin, les forts, ils sont pris à la base par des bandits. Généralement par des bandits, des sorcières, ou enfin, des parjures, etc. Mais quand tu fais la guerre des sombrages contre l'Empire, et que tu as une mission qui t'envoie dans un tel ou tel fort, ben les PNJ seront automatiquement remplacés par la faction adverse. Et une fois que tu auras capturé le fort, les PNJ seront remplacés par ta faction. Comme ça que ça marche, les forts. Mais j'ai encore pas rejoint, c'est ça le truc. Et salut Mick, comment vas-tu? Salut. Je t'ai surpris, quoi. Que ça faisait ça automatiquement, de base. Parce que je savais que tu pouvais prendre avec en faisant les quêtes, que les mecs ils venaient, ils prenaient le fort. Ça je le savais. Mais pas que c'était un truc automatique. Ah j'ai des... Oh, j'ai des... Pur quoi. Tranquille, tranquille. J'ai l'impression que dans deux secondes, j'ai le table, j'ai mis ça. J'ai l'impression que mon jeu. En fait, mon PC tourne, mais je sais pas, ça a du mal à stream le game en fait. Bah, tu as vu moi ce que je streamais. Je pense que t'as vu qu'il y avait pas de soucis. Nope. Comment ça, nope? Je regrette, je ne peux pas vous aider. Ah, les PNJ. Oh, bah ouais. Les PNJ qui chopent dans la rue. Il est temps d'en finir. Bonjour. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est comme si t'as le PNJ, il fait « J'étais kidnappé, je me suis évadé, j'étais captif dans un fort pas loin !» Il met Arc Brume qui alloue toute la carte. Ouais.
J'ai vu un truc bizarre à l'écran. Ah non, ok, y a un mec qui l'a volé, mon gars, je sais pas ce qui s'est passé. Tiens, prends-toi sur le loup des classes, tiens, prends-toi ça. Tiens. Où est-ce qu'il est passé? J'ai un peu l'impression que la physique elle est aux fraises. Hein. Soit. Quelqu'un me tire dessus. Qui est passé? Voilà. Ah, je prends tout. Une boule de feu qui vient de partir, je sais pas trop où. Dans le ciel. Je vais remettre ma capuche parce qu'il fait pas chaud. Il fait pas chaud. Hein. Mon chat, il y a les climats chauds. Un autre? Ouch! Ouais, il m'a mis l'attaque. Lock close. Brûle! Je te fais pas de dégâts, mais je m'en fous! Ouch! Oh, je vais mourir. Je veux pas mourir. Je suis trop jeune pour mourir. Miaou! Cours, poupette, cours! Trop tard, je suis mort. Un peu d'RP, ça fait pas mal. Ah bah, sauf que. Je me fais déchirer. Ouais. Attends, deux secondes. Parce que là, je suis en train de regarder, mais j'ai beaucoup de frames qui se perdent en fait. À ce point-là? Franchement, ouais. Non, zéro, moi, depuis que j'ai lancé Skyrim. Je me demande si c'est pas la config d'OBS qui fait ça. Putain, je recommence là, quoi. Essaye de. Plutôt que d'utiliser le. L'encodage AMD, d'utiliser l'encodage normal pour voir si ça fait une différence. Skyrim est vraiment très light niveau CPU. Ouais, je vais essayer ça. Je vais essayer ça. Je vais regarder si je peux pas changer les paramètres de l'encodage parce que ça semble quand même bizarre. Je relance juste le stream, juste pour Skyrim. J'arrive. Oh non, j'ai l'ankylose aussi. Pas cool. Paramètres. Sortie, encodeur, X264, CDR, débit, intervalle d'image clé 2, et je crois que je dois mettre réglage prédéfini du CPU, je dois mettre fast, c'est ça? Attends, je vais dire ça. Ou c'est faster? Alors, paramètres... Profil main, réglé... Je suis en super fast, moi. Ouais, mais je sais pas si... Bon, profil main est réglé, 0 latency, rien de monsieur. Bien. Option X200, c'est pareil. Fréquence d'image variable, VF. Appliqué. Je vais essayer de relancer, on verra bien. Il faut que je regarde si sur Twitch, si quand je réactive ça sur Twitch, voir si. Je suis revenu ici. Moi, solitude. Ah, moi je fais pas de voyage rapide. Ah, moi aussi. Ah, c'est le RP. C'est parce que c'est chiant de courir tout le temps, tu vois, de gauche. Bah, c'est chiant, mais t'as des jolis paysages. T'as des monstres, il se passe des choses. Tu croises des donjons. J'ai remis l'encodage X264. Bon, j'ai mon pros, il est à 15% au lieu d'utilisation au lieu de 3, tu vois. Si, je sais plus. Alors, effet actif. Euh...
Ouais, tu fais des économies aussi. Bon, pour 50 gold. Ouais, oh non, en fait, ça dépend où tu vas. Ça dépend où tu vas, mais bon. 50 gold, c'est rien du tout. J'ai combien, moi? Bah, disons que c'est plus rentable de se promener, de se promener, dans le sens où. Ouais, bah, tu gagnes des trucs. Ouais, voilà, tu lootes des trucs, quoi. Tu sais que pour le moment, je n'ai fait que la quête principale. J'ai déjà deux assassins qui sont venus pour me buter. Genre, commandité et tout le bordel. Alors que j'ai tué que des bandits. Moi je me fais déchirer par des loups et je crois que j'ai remis mon jeu en normal juste à cause de ces loups de merde. Mobilité. Ouais c'est ça, j'ai mon jeu, il est en normal. Et... Tu te fais défoncer par les loups? Ouais, des loups de glace. Mais j'essaie de cavaler directement dans le nord de truc, tu vois, j'essaie de faire une quête là. Mais je crois que je vais essayer de dodge les loups en fait. Hey, je suis un chat, le chat ça aime pas les loups. Mais la difficulté elle est un peu... C'est un peu space hein. Et voilà, ouais, t'as raison Sancha, je... Là, j'ai, pour le moment, j'ai pas de frame perdu. Les gars, dites-moi si c'est fluide, s'il y a pas de décalage dans le son. Non, à mon avis, c'est le jeu il est trop gourmand sur ta carte graphique. Du coup, il arrive pas à bien encoder. À mon avis, ouais, ça doit être ça. Ah, parce que ma carte graphique, bon, déjà, quand Skyrim de base full modé, je galère un petit peu. Il est parti où le loup? Genre, il a cliqué, mais il n'y a plus de loup. Bah, parfait. Bah, tu me diras au fil du temps, Mick, s'il y a des soucis qui se créent. Ah, tiens, j'ai oublié d'aller. Parfait. Je sais que là. Il y a l'hôtel de Nyeridia. Oh, princesse des draps, Nyeridia. Moi au Bécla. Normalement si je vais la voir tout de suite, elle va chier je crois. C'est lui, mais j'ai pas le temps de discuter. J'ai des livraisons importantes à faire. Ah ouais. Elle m'ignore. Oh, tu m'ignores, bitch. Bon, il faut attendre un certain niveau pour que tu. Ah là, tu lui rapportes. On explore, ça fait des points. Enfin non, ça fait pas des points. Mais... Enfin si, des points d'intérêt. Quoi. On pourra se le partir. Moi, je me téléporte parce que voilà, ça fait gagner du temps. Mais je préfère montrer une progression dans l'histoire que à montrer de Randonnée Simulator 2016, quoi, tu vois. Mais c'est très bien avec la musique et tout. C'est l'ambiance, mon gars. Puis ça va, c'est pas comme s'il y avait pas 3 milliards de mecs sur la route. Tu fais 3 pas, il y a 3 loups qui viennent. Le problème dans Skyrim, c'est que le respawn est très lent. Et donc, ouais, quand là, t'as une zone et que tu repasses par la même zone, bah tu fais courir en fait. C'est le début du jeu. Bon, je sais qu'ici il y a des loups de glace. Ninja. Ninja Cat. Après je mettrai très vite des modes. C'est... Pour le moment j'ai pas encore vraiment eu le temps de regarder ce qu'il y avait. Lâche-moi. Et j'ai pas une arme mieux qu'une dague. Tant que j'ai pas le bonus, ça me sert à rien la dague. Marteau de fer d'amunissement, viens ici toi. Prends ça le loup. Et genre là, moi dans mon jeu, t'as le soleil qui se couche, t'as tout qui est orangé comme ça, c'est... C'est l'ambiance. C'est l'ambiance, c'est magnifique. Voilà. Suivant. Alors que c'est Skyrim qui a 6 ans, les modèles c'est les mêmes, les textures c'est les mêmes. J'avais peut-être des trucs. Encore un assassin. Le troisième. Je sais pas qui c'est que j'ai fait chier, mais il m'en veut. Mon marteau. Décide. Parade. Y'a un mec qui m'en veut. Tiens!
Et voilà, Memento. Ma poupette. Miaou. Par contre, dès qu'ils sortiront des packs de textures, etc. pour le KG, je les mettrai. Je mettrai pas de ces BBE ou. Bah, tu peux mettre la version avec les sous-vêtements. Ça, ça va. Ouais, mais non, je mettrai pas. C'est pas interdit de modder le jeu, c'est juste que tu peux pas montrer de. De nudité moddée. Si c'est pas moddé, ça va. C'est ça qui est bizarre, hein. C'est pas modé, ça va, c'est cool. Tiens. Mais tiens, si c'est modé, non. Tu peux pas. J'adore faire un petit bruit de chat quand je suis une bestiale. Surtout quand je tue un loup. Khajiit, c'est plus fort que toi. Un lapin. Comme tu te rappelles Daggerfall, quand tu fous ton perso à poil. Il est à poil, il a pas de sous-vêtements. Mais tu peux streamer ça, tu vois, c'est ok. Bon, c'est pas non plus si tu baves dessus, à mon avis, ils vont pas trop aimer. Allez, donnez-moi vos objets de valeur ou je vous étripe comme un poulet. Pour tout vous dire, oui. Vous avez l'air de ne pas avoir beaucoup d'or. La paix. Je ne vous le demande pas. La paix. Deux secondes, bouge pas la paix. Bouge pas. Non, les gars, je fais juste un truc. Ne me demandez pas pourquoi je fais ça. C'est juste pour faire un smash shot. TF. Hop. On fait notre petit smash shot. Voilà. On remet l'interface. On remet la caméra. Et on est reparti. Oui, c'est comme ça qu'on fait des screenshots dans Skyrim. Il y a une capuche qui est meilleure que la mienne. Ça se voit que je connais le jeu ou pas? Oh, j'ai le stuff elfique. On va sauvegarder. On va bien avancer. Sauvegarde rapide. Bonjour. Je te parle après, tu permets? Il me fait travailler. Moi j'aurais de. Tu crois que c'est ça ce stream 100% Renjuice? Je crois pas. J'aime bien le truc. Genre le jeu où tu rages contre la RNG, tu fais que ça. C'est que ça là. Ou alors t'es content parce qu'il est en ta faveur. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ça me bat. Je vous laisse passer devant, comme ça tous les mecs ils meurent et moi je récupère le stuff et ça me fait des thunes. Ninja. Bon. Ennemi. Là. D'ailleurs, pour 100% Renju, j'ai un des mais plus gros c'est joueurs ça, c'est... dans mes contacts. Ouais, c'est moi ou ils ont changé le tir à l'arc? J'ai ouais, ils ont. Plus haut. Ouais, moi aussi j'ai la même impression. Qu'ils ont changé t'es... ça. T'es pas vu que j'étais en train de tirer à l'arc là, non? Non, j'ai vu personne, casse-toi. Ah, t'as eu le mec là aussi qui vient, il te refile son arme et puis il se barre. Ouais, c'est ça. Moi quand il m'a parlé, j'étais en train de tirer à l'arc. Mais je bandais l'arc, tu vois. Du coup, quand il m'a parlé, l'arc s'est lâché automatiquement. Ça a lâché la flèche dans sa gueule. Je vais tirer une flèche sur mon pote. Amulette de Talos, armure légère elfique, pote légère elfique, casque léger elfique. Ah mais non, il est redonné. Il y a une chair qui a le cul à l'air et le torse dans le sol. Elle est coincée. Ça ressemble à quoi mon perso comme ça? Ouais, c'est bon. Non. Ils ont changé arrêtez, aussi, Lia. Oui, je bandais mon arc. Oui, c'est ça, je bande mon arc. Mais deux secondes, parce que là, je suis en train de me faire défoncer, là. Arme. J'aurais dû garder une épée.
Bon, je m'en fous, je vais y aller à la masse. Parce que je suis comme ça, moi. J'ai pas peur. T'arrêtes d'essayer de me brûler mes poils, quoi. Potion. Potion de force, magie. Potion de santé, potion de vigueur améliorée. Je sais pas si tu te rappelles hier l'araignée, la grosse araignée, qui avant tu te mettais dans un couloir et hop elle te regardait et elle restait là jusqu'à ce que tu meurs, puis maintenant elle se barre. Ok, ouais, ils ont vraiment changé l'IA des PNJ, il y a PNJ, il rentre au bercail, moi je lui tire dessus, il bouge pas, il continue. Ah, t'as décidé de m'attaquer toi. Rien. En fait, le mec arrivait un peu trop loin de son poids, quoi, tu vois, son s'il peut pas toucher au corps à corps. Ah, si, c'est un archer. S'il peut pas toucher au corps à corps, il va se barrer en fait. Ouch! Oh merde! Tous les alliés d'Avelsing sont déjà morts. Chertu, t'es mort, je te récupère ta flèche. Toi, l'elfe, je prends ton améthyste, ça je m'en fous, ça je prends ta dague. Salut toi! Tu veux pas ma mort, non, ça? Excuse-moi pour la flèche. Bah, plus, Donna. Oh, il met un autre film, ça va. Voilà, je repasse après. Ok, Donna. De toute façon, tu sais où me trouver. Arc impérial, Osef. Non, la flèche. Non, la flèche. Arc impérial, c'est 15. Et moi, mon arc, il fait 19 si j'ai plus de conneries. Il veut aussi un truc chelou. Genre hier j'ai volé un cheval devant le mec m'a vu. Il a fait hey, remettez ça à sa place et c'est tout. Ok. Je suis parti avec le cheval. plus mes gens. Il sera assis sur sa chaise et puis voilà. Non mais je devais pas aller là. Où est-ce que je devais aller? Ah oui, là-bas, arrive bois. Et après j'ai volé une pièce d'or, j'ai une prime de une pièce d'or sur ma tête. Là il y a un garde, il est venu, il voulait pas, il voulait me défoncer. Ouais, moi j'ai crié sur un mec comme ça. Et en fait il voulait me défoncer, il voulait même pas m'arrêter. Je vais courir. Soyez sans crainte, dragon. Évitez de dire des mots que vous ne tiendrez pas. Je m'en fous, j'ai une armure elfique. Déjà? Bah ouais, tu fais la quête. Je suis niveau 9, je crois. Ah ouais? Et tu fais la quête avec le prisonnier de Norgay. C'est Norgay? Ouais, château de Norgay là, toi. Où tu vas récupérer, sauver le frère avec le stoison. Mais pour le moment, j'ai fait que la quête principale. Ah, moi, tu sais bien que la quête principale, plus tard je la fais, mieux je me porte. Bah j'ai jamais fini là. Donc ça serait bien que je la finisse une fois, au moins dans ma vie. Hey, Avelsing, je peux jouer s'il te plaît? Oh, il y a... Peut-être mettre en... C'est moi ou ils ont aussi ajusté les tailles des personnages? Je sais pas. J'ai l'impression parce que je suis tombé sur une nordique qui était plus grande que moi. Alors que dans mon sauvetage, je crois que tous les PNJ, en fait tout le monde avait la même taille dans le jeu. Ah, je ne sais pas. C'est vrai qu'ils ont tous la même taille normalement. Mais je faisais de rengainer. Justement, j'ai dû le faire 4 fois avant qu'il fasse ok, c'est bon, je range mes armes aussi. Alors que j'avais volé qu'une pièce d'or. Ouais, non, mais moi j'avais essayé, j'arrivais devant le gars, je sortais mon arme, gameais, non, que dalle, il voulait ma peau. J'ai dû me barrer super loin, genre hors de portée, changer de ville, changer d'identité, de moustache. Et c'est quand je suis revenu, ils m'ont fait « Eh, je vous connais !» Votre tête me dit quelque chose. Merde, je suis à côté. Ouais,
Je suis niveau 10. Il est bon, Vlustein, en fait. T'as pas besoin de moi pour sauver ton frère. Mais non. C'est des Rambo, les PNJ. Ils sont là en mode « Oh, t'es l'enfant de dragon, tu peux tuer des dragons, ouais. C'est ouf. » Ouais, mais en fait, je mets ta dragon tout ça, mais je te le dis pas. Mais après ça, tu vois, t'arrives en ville, y'a un dragon qui débarque, t'as les gardes, ils sautent tous dessus, ils le défoncent. Moi, c'est ce que je fais, je mets trois flèches au dragon, puis j'attends que les gardes le défoncent, l'arme et je me casse. Puis ils sont là, genre, ah, l'enfant de dragon. C'est trop un PG. J'avais modé le jeu, quoi. J'avais modé le jeu que les dragons étaient complètement pétés, où il me fallait une heure pour les battre, quoi. Je me battais contre un dragon, les combats duraient une heure, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que là, pour le truc, ils ont fait en sorte que les PNJ ou des. Tu vois, les elfes ont des armures elfiques, mais ils ont des armes de merde. J'aurais pu leur mettre des armes elfiques. Je sais pas, moi, ils avaient des armes elfiques. Je tire. Ouais, mais ça dépend du niveau. Eh, mais non, je lui tire dessus. Bah, je suis niveau 11. Et j'étais niveau 9. Mais c'était l'étal mort que j'ai fait. Du coup, je crois que c'est normal qu'ils ont des armes. Ouais, par contre, la tronaque de feu, je suis pas fan. Parfait. Vous avez réussi, il ne vous est rien arrivé. Venez, je connais un endroit. Wata. Et je prends ma race. Ah, fuis, par là, fuis. Oui, bien sûr. Par ici. Eh oui, parce que moi aussi, je fais de la magie. Par contre, j'aime bien le bruit du gadget quand il se fight. Ça je prends, et là je confonds. Mais t'es l'enfant dragon. Tu peux tout faire. Bien sûr. Elle est bien plantée la flèche. Oh oui, l'enfant de dragon, bien sûr. Et cela change tout, bien évidemment. Eh hey, mais je tire vraiment sur une bide sur cette version là quoi. Allez mais viens ici. Ah faut s'habituer. Avant je te faisais des hitshots à 30 km. Maintenant j'arrive même pas à tirer sur un mec qui est à bout portant quoi. Ok Popens. A plus. Bonne soirée à toi. Et bonne nuit. Vers la flèche. Non, vous n'avez rien entendu. Ah ouais, j'ai 5000 pièces d'or. J'ai déjà acheté la première maison. Ouais, une potion de soie léger. Prends. Un collier, prends. Est-ce que... Mais non. Hop. Je vais vous montrer. Oh, c'est mon niveau de frame. Vous avez trouvé ça comme ça. Oh, j'avais plus de frame. Oh, le mec, il a des yeux rouges. Vous avez l'air en plus piteux état que moi. Voilà. Venez, je vais vous montrer. Vous voyez, juste. Vous avez de la bière ou de l'hydromel. L'un des principaux camps militaires à Cagebois de la crevasse pendant leur conquête de bande de ciel. À la prochaine fois. Vous comprenez de quoi il parle ? Chut. C'est là qu'ils ont construit le mur. Wouah ! Pour graver dans la roche la somme de leur savoir. Et je crois qu'ils ont rajouté aussi des armes sans finish. Je sais pas. Je me rappelais pas qu'avec une épée, tu sois toi retourner ton arme et porter le mec. Genre quand il est accroupi là, tu vois. On en a cependant. Je sais pas. Je crois que c'est tu pouvais le faire. Bien sûr. J'aurais pas le souvenir. Ne me dites pas que vous l'avez. Bah je l'ai fait hier et on m'a dit que si tu pouvais le faire avant. Admettons que non. Jusque là. Qu'est-ce que le mur d'Alduin et en quoi peut-il permettre d'éliminer les dragons?
Le mur d'Alduin regroupe tout le savoir des lames au sujet d'Alduin. Et en général, j'attaquais pas par derrière. Non, mais c'est même pas une question de faire ça par derrière. Ah, moi c'était un égorgement, tu vois. Mais je l'ai retrouvé. Non, c'est vraiment terrible. Le mec qui est accroupi en train d'agoniser au sol, tu vois, c'est, tu retournes ton arme et tu le portes de haut en bas, quoi. Non, ça y avait déjà. C'est un truc qu'on voyait souvent. Cerise! Tu lui plantes l'épée dans le crâne. Nous n'en serons sûrs qu'après l'avoir trouvé. Ou dans le dos. Pour le temple d'Abreciel. Je savais que ça dépendait. Je connais la région de la Crevasse. Je te fous au poil, si tu le mérites. Près de ce qui s'appelle aujourd'hui Kartsin, dans les gorges de la carte. Amulette de Mara. On peut se retrouver là-bas, ou voyager tous ensemble, comme vous voulez. Non, c'est le voisin. Comme vous voulez. Il est peut-être plus sûr de voyager chacun de son côté. Nous attirerons moins l'attention. Ne vous en faites pas. Genre, entre frères, ils se vous voient. Devant vous faire sortir d'ici. Ah, c'était une autre époque. Ici pour vous sauver. On y va ? Ça y est, l'auberge est à toi. Je ne reviendrai sur toi. Je crois que le monde est mort, hein. Eh bien, voilà qui donne à réfléchir. Prends soin de toi, Orgnar. Adieu. Oui, d'accord. Il y a des bugs sons, par contre, parfois. Prenez soin de vous. Moi, ça. Ben, j'ai l'impression qu'il y a une ligne route à l'intérieur de l'auberge. À part ça. Ah, moi, ce que j'avais eu, c'était dans une grotte, j'entendais un squelette, comme s'il était. Enfin, le son d'un squelette. Et j'ai aussi dans c'était dans Othalma, il y avait un espèce de vieux bruit chelou, mais genre on aurait dit une machine à laver. Super votre fort. Souci, votre famille se fait du souci pour vous. C'est un joli poème. Oh bah c'est bon, on va retourner voir Fralia. À Blanche, oui. Je sais que j'ai déjà dit, mais les effets de lumière, c'est craqué. Ouais, c'est vrai que le... Même NB, ah, ça oui. Te faisait pas ça. C'est vrai que je suis passé niveau 10, donc les villes vont commencer à se faire attaquer. On va augmenter... La santé. Archerie. Non, je pourrais mettre en archerie. En furtivité, je pourrais mettre non plus. En armure légère, donc moi, valeur d'armure légère. Ah ben voilà. Je me fais attaquer par un vampire en plein milieu de la ville. Lâche-moi. J'en ai pas encore vu. J'ai vu des adeptes, mais j'étais pas encore au niveau 10, donc je sais pas pourquoi ils étaient là. Ah voilà, il a tué un PNJ quoi. Je devais être niveau 5. Bon ben, il a tué... Putain, l'enfoiré. Il a tué Adrian Abenici. C'est con ça. C'est pour ça que moi je mettais toujours un script pour empêcher les attaques de vampires. Il n'y a pas de quête avec elle, mais... Si, il y en a une, elle te demande d'apporter une épée à son père. Ah oui, juste, ouais. C'est pas une quête de ouf, mais... Ça, c'est un personnage important dans la vie. C'est le forgeron.
Toral ne risque plus rien. J'ai bien peur qu'il ne soit pas ici. Je pensais que revenir était trop dangereux. Nope. Je sais pas, tu m'as appelé, tu m'as demandé de t'aider, j'y suis allé, et maintenant tu veux pas me croire ? Il vous a dit d'endurer le vent glacial de l'hiver. Bla bla bla. Ah, j'arrive plus à tirer à l'arc correctement, ça a usé. Ouais, moi non plus. Des nouvelles d'Onfrise parce qu'il est pas là. Et oui, et ils ont rajouté de la végétation partout. Ouais, et ils ont changé la couleur de la toundra près de Blanche Rive. Tu sais, là où il y a les géants. Maintenant, c'est tout vert. Allez, je vais te sauter dessus. Hop là. Ah, bah non, on peut pas. Bon. On sait mieux maintenant. Je préfère on sait maintenant. Ouais, franchement, le jeu est beau. Le jeu est beau. Pour remasteriser. C'est généralement, quand ils font un remaster, tout ce qu'ils font, c'est ils te mettent un pack de textures HD et puis ils vont te faire truc. Quoi. Ils avaient fait aussi un beau truc, c'était pour le faire à l'anniversaire. Vous avez une racine de canis qui pendent en fait, qui traîne par terre. Paf, c'est l'égorgement. Poison, je garde. Résistance au glace, je m'en fous. Poison d'acheter. Je garde. Poison d'invention, je m'en fous. Je garde. Poison de force, je garde. Poison d'escarmouche, je garde. Poison de magie, je garde. Ça, je garde. Et je m'en fous de la bouffe, je m'en sers jamais. Tu te sers de la bouffe dans Skyrim, ça ? Énormément. Est-ce que tu fais de la cuisine dans Skyrim ? Oh oui, j'en fais. T'as pas idée à quel point j'ai besoin de nourriture. Miaou. Plus grand que moi. Oh mais il est riche le mec. Oh, il a 100 pièces d'or. Ouais, Adriana Vinici, je sais, elle est sous mes yeux. Ah, livre. Étage. Ah, Cora, c'est avec le plus grand regret que le Jarl Baldur le Grand vous informe de la mort de Adriana Vinici. La défunte personne vous a légué une part de son héritage dont le montant s'élève à 100 pièces d'or. Du Jarl a prélevé 10 pièces d'or sur cet homme au titre de l'impôt. Voleur ! Le reste est en. Le reste a été confié à la bonne garde d'un agent de confiance pour remise en main propre. Bien que l'ensemble de la cour du Jarl partage votre prêt en ce jour funeste, j'en ai un peu rien à foutre. Nous nous réjouissons de savoir que la personne défunte possédait des amis chers et des biens à leur transmettre. Cet héritage légalement reçu rend hommage à votre foi réciproque et à la bienveillance du Jarl à votre égard de tous les. À tous les. Oui. Arrête de lui parler, parle-moi. Ah ben non, c'est bon, j'ai rien à attendre. Par contre, vous pouvez nettoyer les cadavres s'il vous plaît, parce que là... Pire ? Qui traînait devant chez moi ? Bonjour Lucia.
dépouillé dans mon armoire, non? En fait, épique. Mais... Ah, non. Marche mes ingrédients. Merde! Je suis en train de tout bouffer. Moi. J'ai rien à garder ici. Ici non plus. Le renard qui passe dans le poulailler mais qui s'en fout des poules. Il y a... non, le... Lydia, c'est de l'autre côté que tu dois sortir du lit. J'ai Lydia qui est sortie de son lit, mais du mauvais côté, et donc elle se retrouve dans le toit. Allez, suis-moi, j'ai de la tornade. Ouais, elle va se TP. Heureusement. Il se TP maintenant, les PNJ. C'est moins RP, mais il y a moins de bugs. Du coup. Bonjour. Qui forge vos armes et vos armures? Et Rostinou. Rostinou. Enchanté. Oh. Par contre, leur menu est toujours aussi bugué. Ouais, le menu, honnêtement, je serais bien content quand Sky 8 sera de retour. C'est clair. Je te prends ça. De mettre fer, je l'ai. Ah, voilà ce que je dois ranger, les mettre fer. C'est une paire de gants unique. Est-ce que je vais aller vers Markrat? Je vais aller vers Marc. Ça fait dodo, donc j'en profite pour venir dire coucou. Ok, c'est bon. Ok. Y a un cheval mort. Dans un buisson. Va faire tes corvées, Lucia. Lucia. Non, bon, d'accord, allez. T'as de la chance, j'ai ripé. Tenu. Est-ce qu'ils sont les. Non, pas les tenues du coffre, mais tenues à moi. Non, c'est juste tenue. Qu'est-ce qu'ils sont? Gants, mettre fer, voilà. Mais non! Tenue! M'équipe mes gants et du rangeur, voilà! Cette interface, quoi, comme elle est bidon. Ils veulent pas faire Sky 8 qui n'existe pas, Sky 7. Ah, ça va vite arriver. Faites la chance. Tiens, femme, prends le balai. Elle s'en fout, Lydia. Qu'est-ce qui se passe, Amran? Qu'est-ce qui te fait? Qu'est-ce qui provoque ton émoi? Ils sont méchants. Voyons ce que vous savez faire. Merci de votre aide. La crevasse est un vrai nid de parjure en ce moment. Je me demande comment les gens arrivent à circuler par ici. Une seconde, je remplis un peu de temps. Cela dit, j'ai des articles à vendre. Regardez donc. Je
vous laisse écouter cette musique de fond sublime. Que aucun jeu n'égale, même pas Dark Souls. Je voulais juste aller désenchanter des trucs. Le problème c'est qu'il y a un hôtel d'enchantement seulement ici. Ça je désenchante, je désenchante. Et je désenchante. What? Je crois que ton laboratoire a disparu. Non, je pense que ça. Non, il est toujours là, il est juste inapparent, il est invisible. Mais c'est quoi, c'est la bague? Ouais, j'ai eu ça aussi avec de la bouffe. Ah ouais. Je ramasse un morceau de fromage et il y a la pile qui a disparu. Ouais. J'ai pu les prendre quand même. T'appuies sur eux et il réapparaîtra. Ah, t'es pauvre. Allez, je vais voir. Bon, en fait, je chipote sur le truc, mais c'est, tu vois, c'est le laboratoire alchimique qui a disparu. Comment ça se fait que vous faites pas dodo? Mais moi, hier et avant-hier, j'ai stream jusqu'à 5h du mat, hein, Stylo. Et moi, je stream jusqu'à 1h. Ah, il est en. C'est le week-end, pépère, on profite. Bon, on peut aller faire les bienfaits de la nature, on les récupérer Fleurty. Partez, tout de suite. Ce ne sont pas vos affaires. Nous prenons cet homme pour l'interroger. Tu parles. La loi impériale interdisant le culte de Talos nous autorise à faire ce que nous voulons. Maintenant, vous allez partir, si vous souhaitez. J'avais des gens, hein. Hier, j'ai vu des gens. Avant-hier aussi, d'ailleurs. Nature. Monsieur, il dormait, petite nature. Il y a des gens qui sont venus. Pas beaucoup, mais il y a des gens qui sont venus. Jamais, un truc que je me sers jamais. Regarde, je reste. Est-ce que je fais directement la guilde des compagnons ou pas? Reviens ici, toi. Je pourrais faire la guilde des compagnons. Où est-ce qu'il va le smilodon? Il a vu une chair, c'était mieux que moi. Oh!
je suis jaloux. Je n'ai une plus grosse que lui. Je joue Argonien. Moi je dis c'est pas la taille qui compte, c'est la façon dont on s'en sert. Donc ne sois pas jaloux sinon, ne t'inquiète pas. Si tu s'en sers bien, ça passe. Surtout que elle est plus grosse que. Un dragon de sang, t'es sérieux? T'es quel niveau? 10. Et t'as déjà un dragon de sang, t'es sérieux? Oui. It's a joke. Ok, même le vendeur de cheval est mort aussi. Merci le DLC Dragonborn. Comme je lui fais rien du tout. Bon ben je m'en vais. Hein. C'était un bel ajout. Si vous avez géré en ajoutant ce DLC, vous êtes des pros. Enfin surtout en ajoutant ce script. C'est en gros c'est si tu te dépêches pas de faire le DLC, il y a tout le monde qui va crever. Ah j'ai déjà deux PNJ qui sont morts à cause du script. Et moi j'aime pas quand les PNJ comme ça ils meurent. Parce que je suis le Dragonborn, en fait, The Devakin, tu vois, je suis censé les protéger et tout ça, alors quand ils meurent je suis un peu dépité. Je me dis putain j'ai fail. J'ai la musique du Dovahkiin. Et où est-ce que tu vas? Attends, et depuis quand dans le combat il y a la musique du Dovahkiin? Moi si vous voulez une bonne musique de Dovahkiin, mon conseil c'est J'ai un dragon aux fesses. Vite cachons-nous dans la hutte des parjures. Voilà. Écoutez ça. Sinon, écoute ça. Non, s'il veut bien. De la soupe. Ah, j'ai plus de soupe. Papillon, miaou. Restauration de santé. Et moi j'ai mis un mode en fait qui rajoutait cette musique, tu vois, qui remplaçait la musique des tavernes par celle-ci. Et c'était juste épique. Waouh, ouais, je sens bien là. Ça elle a fait plusieurs musiques dans le style, et franchement, elle sent bien. Tu
Tu vas mourir, dragon. Les chemins aussi, sauf les chemins de terre ont l'air beaucoup plus détaillés. Je sais pas ce que t'en penses. Je ne sais pas. Je veux dire que c'est compliqué de faire la différence vraiment. Oh, je reviens ici. Ouais, il faudrait revenir avec l'ancien jeu, soit faire quelques shots comme ça vite fait, puis revenir sur le nouveau et... Mais j'en ai vu en fait, c'est ça le truc. Bon, rien à foutre, je me TP. Bon, par contre, il y a des endroits, c'est toujours moche. Je sais pas s'il y a la différence de Bright et là, c'est un peu plus foncé. Bah, il y a des textures, elles ont pas changé. Genre les armures, là, les souches d'arbres. Ah ouais. Très, très moche, quoi.